donc a été plutôt l'arrêté du ministre a été donc publié et il a fixé le montant pour d'abord le département, c'est 15 millions. Ensuite, pour la commune, c'est 15 millions. Oui. Maintenant, ce montant, il est uniforme selon qu'on veuille se présenter dans toutes les collectivités locales. Maintenant, ce montant, une fois fixé, doit être donc versé par chèque de banque au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Mm. Alors, dans la pratique, en général, on permettait donc à ceux qui veulent donc faire leur liste de déposer donc le chèque, même le dernier jour fixé pour le dépôt des candidatures. Mm. Alors cette fois, le directeur de la caisse de dépôt et de consignation a fait un communiqué il y a quelques semaines pour dire que la date butoir justement pour le dépôt donc du chèque de banque au niveau de la caisse est fixée donc hier samedi à minuit. Mm. Alors le lendemain, c'est un jour donc non ouvrable. Lundi, c'est férié. Cela veut dire donc pour pouvoir disposer d'un chèque, d'autant plus que la plupart des institutions financières ne travaillent pas le samedi. Il fallait donc justement réunir les conditions pour le faire le vendredi. C'est le premier acte, c'est le dépôt du cautionnement. Oui. Maintenant, moi, oui. Je considère que cette décision, justement, donc du directeur de la caisse de dépôt et de consignation n'est pas conforme au code électoral qui ne fixe pas de délai. Ni avec l'arrêté du ministre fixant le montant du cautionnement, encore moins avec la pratique qui était en cours justement au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Ah donc bon? Aujourd'hui, on empêche à quelqu'un qui peut-être pouvait le faire le mardi prochain ou même le mercredi dernier jour pour donc satisfaire justement à cette exigence. Vous avez parlé de nombre.